Et bonjour à tous, c'est Akoris, et on se retrouve sur World of Final Fantasy. On va aller continuer à dresser des petites babettes. Alors j'avais fait, il me semble. Attendez, on vérifie. Il n'a plus rien, lui. J'avais fait, il me semble, un peu le tri de ceux que j'avais en. Attendez, sérieux? Là, voilà, j'avais fait le tri un petit peu. Alors j'ai beaucoup trop de petits. C'est triste, je peux pas tous m'en servir. J'ai vraiment envie de m'occuper de ce petit bestiau là, de l'avoir. Mais il faudrait faire le choix entre le choco. Je vais attendre que le chocobo grandisse. Ça devrait plus être bien long, j'en suis où sur le chocobo là. Non, c'est ce férié que je veux. Je vais y arriver, je vais y arriver. Le bébé de chocobo, ouais, il a 2 points de PC. Il me semble qu'il en fallait 4 pour qu'il monte. Ouais. Ah, il faut... Non, 5 parce qu'il m'en faut un en plus là. Ok. Il faut qu'il soit niveau 10. Ok, bon. Et ben on va continuer pour aujourd'hui. Je ne sais plus où il fallait aller. C'est parfait. Ah oui, on pouvait faire un petit tour en ville. Je crois qu'il voulait faire un tour en ville. On peut faire un tour en ville. Tout, tout, tout. Au fait, cette jolie pierre que nous avons obtenue. Oui, quelle jolie pierre. Oh, c'est une myralite, voilà. Une myralite, c'est une pierre magique qui renferme la compétence d'un mirage. Il vous suffit de vous en équiper pour utiliser vous-même cette compétence. Ah. Et c'est quoi celle-là? Choisissez une myralite qui est utilisée en fonction de l'agencement des pyramides pour combattre de façon plus efficace. Je sais pas où je vais, hein. Oui, je me balade, je... Voilà. On se balade, on visite. Oh, bah, pas par là, apparemment. L'appartement des jumeaux... Oh, on va voir où ils habitent. On n'a jamais vu ça. Avec le bébé de Chocobo, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a, Yelan? Non, tu... D'accord, on peut pas parler plus. Oh, il y a Ketsit derrière. Un personnage FF7. On peut changer... On peut pas changer les tenues ou c'est quoi que... Il y a marqué examiner, là, c'est quoi? C'est pour le Chocobo? Voulez-vous reposer? Non, je veux pas m'en poser. Oh, il a une console. Encyclopédie des mirages. Oh! On a un Pokédex! Ça marche comment? Voilà, comme ça. D'accord. Et on a Frifrit! Ouais. Oh, il y a du monde, mine de rien. Franchement, le bébé émote qui... Je veux le bébé émote. Le loup avait l'air d'avoir une évolution derrière. On va faire comme ça sera plus simple. Ouais, alors il y a beaucoup de monde quand même, hein. Ifrit, on peut l'avoir, je suis sûr qu'on peut avoir Ifrit. Et on retourne, on passe d'un Ifrit à un gobelin. Hein. Officier de Bahamut. Ah, peut-être qu'on peut pas les avoir parce que eux, je pense pas qu'on les aura. Hein. Donc, je sais pas. Encyclopédie personnage. Ah, oh, devinez quoi, j'ai oublié Discord. Alors, les personnages et... D'accord. Ça dit quoi sur Shiva par exemple? D'accord, on la voit sur le côté, on voit la première apparition. D'accord. On les a vus, hein? Ouais. Alors Baltier, c'est FF12, Sephiroth, c'est FF7. Mais bah, on les a pas vus. Mini-jeux, c'est quoi ça? On n'a pas les mini-jeux! Je suis triste! C'est tout? On peut faire la cuisine? Non? Eh ben on rentre, allez. On a fait un petit tour qui sert à rien. Oui, je sais, mais bon, c'était drôle. Ah bon bah. Toi, tu as toujours la flemme d'aller d'un endroit à l'autre. Qui, moi? Mais oui, toi, t'es le fainéant du groupe. Hey, oh! Tu veux toujours... Je suis juste venu vous annoncer une bonne nouvelle, j'ai pas eu le temps de dire. Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à être cloué sur place. Attends. Oui. J'ai préparé des entrées spéciales pour vous un peu partout dans les Neuf Fresnais. Ouais, des entrées, tu veux dire. Ah, des entrées, cool, ça tombe bien, je commence à avoir la dalle. Il y a quoi d'autre à la carte? Bon, lui, il pense manger. Alors, en plat de résistance, je peux vous proposer le plat du jour, l'entrecôte du chef. Ne parlez pas de nourriture là, tu pousses l'âne à dire des âneries exprès ou quoi?
Ouais, ben... Vraiment, tu le fais exprès? Quoique... De retour à ton explication, on va pas s'en sortir. Oui, donc ces entrées, c'est des raccourcis pour d'autres endroits. Pour dire des choses succinctement, vous pouvez aller par... Non mais les mots qui... Vous pouvez aller quelque part. Oh, c'est pas succinct ça. Effectivement. Moi et les entrées alors, il y a un menu, j'ai toujours faim. Pitié, n'y reviens pas. Une entrée à manger. Tu faisais un jeu de mots, Lan. Ah, t'es vraiment comique. Ah, elle, ça l'a fait hier, apparemment. Ouais, c'est ça. Je rêve, aucun des deux n'avait percuté. Ils ont l'air de se marrer, en tout cas. Ah, c'est de là, j'ai du mal à... On a du mal à arriver au cœur du sujet. C'est moins qu'on puisse dire. Alors que lorsque vous êtes au coteau des Neuf Fresnais, appuyez sur J pour afficher le menu des entrées. Ce menu pratique permet d'atteindre la destination en un clin d'œil. Il est important de s'égourdir les jambes de temps en temps. Bah ouais, sinon tu découvres pas la zone, quoi. Ok, bon. Du coup, quand je fais ça... D'accord. Donc ici, je peux me TP quand je veux. Il manque une zone, d'ailleurs, on a vu. On va se balader un petit peu. Il y a quoi par là? Il n'y a rien. C'est coincé. Je déteste cette caméra, hein, je vous l'annonce. Je la déteste. Promenade du Nord, allez hop. Ah oui, c'était par là, le café. Alors, on se balade comme ça, mais en fin de compte, on tombe sur plein de trucs. C'est quoi cet endroit? Ah! Ça va, Alan? Mais qu'est-ce que... Vous seriez-vous égaré? Oh, lui fait peur. À Tombéry? Oui, je suis bel et bien à Tombéry. Que faites-vous au milieu de tout? Au milieu de... Hein? Il nous demande si nous avons perdu notre chemin. C'est vrai qu'on ne sait pas où on est. Je vois. Dans ce cas-là, suivez-moi. Cet endroit est dangereux. Avec son petit couteau là. Ils vont flipper, Tombéry. Bon, est-ce que ils vont pas flipper de base, mais ils font flipper quand on les connaît. Hein, c'est. Dans les Final Fantasy, c'est franchement des merdes à tuer. Bienvenue au Colisée. Oh putain, ça c'est un Colisée. Oh ouais, ça en jette. Au Colisée, vous pouvez affronter encore une fois les mirages puissants que vous avez précédemment affrontés. De nouveaux adversaires deviennent disponibles au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire. Lorsque vous arrivez à vaincre des mirages faibles particuliers, en outre, certains combats vous permettront d'obtenir plusieurs objets en récompense et des défis inédits seront ajoutés à la liste à la fin de chaque chapitre. Une récompense spéciale est décernée la première fois qu'un adversaire est vaincu. Vous obtiendrez une récompense différente pour chaque victoire subséquente. Tous les PV et PA sont rendus au début de chaque combat, mais la jauge des sauveurs est remise à zéro. À la sortie du Colisée, les PV, les PA et les jauges de souvenirs retournent au niveau qu'ils avaient avant d'entrer. La commande fuite n'est pas disponible. Là, par exemple, j'ai quoi? Attendez, on va sauvegarder vite fait. Oui, je sauvegarde tout le temps, je sais, c'est plus fort que moi. Gars, que voulez-vous? Est-ce qu'on en... On a quoi? On peut avoir... Niveau 31, quand même. Ouais. On a tout ça, déjà? Oh, ça en dirait un... Behemoth. Niveau 14, je suis pas sûr que... Non, pourtant, ça a l'air d'être niveau abordable, je veux dire. Bon, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est pas non plus un niveau fou. On est à combien? Voilà, bon, c'est acceptable, hein. On est niveau 8, c'est pas non plus... Mais pas tout de suite, hein. On va attendre un petit peu. Tac, je fais un épisode exprès là-dessus. Se déplacer via un portail. Allez hop.
Ok, et je sais même pas où faut que j'aille en fait là, donc ouais. Pleine de la campagne. Je sais plus où on en était. C'est permuté. Chronique de l'aventure. Attendez, je cherche où on en est. Ouais. Chapitre 5, 4 validé et après. Bon, parce que moi je veux bien, mais. Ouais, ok. Avant de rentrer à Cornelia, il découvre que les soldats de Bahamut sont en fait des mirages quelque part. Ouais, bah. Ouais. La fille qui s'était perdue. Bon, je vais vérifier où j'en étais, je reviens. Donc, il fallait retourner voir Cornelia. Voilà, j'ai retrouvé. Je suis désolée. Le fait d'enregistrer par petits morceaux à chaque fois, ça n'est pas forcément. Voilà, en plus c'était marqué, c'était en gros dessus. Hein, voilà. Si je prenais le temps de lire 2 minutes, et eh ben c'est vachement mieux. Celle qui sauva le monde, chapitre 5. Non mais c'est un truc dans ce monde, il faut qu'ils. Regardez, il y a un nain avec un poisson sur la tête, quoi. Un poisson qui est sûrement à moitié mort hein, en passant, mais. Ça doit bien puer, c'est parfait. On dirait que le camp est devenu un repaire de gobelins. Puisque nous avons vaincu leur chef, ils ne devraient plus attaquer Cornelia, du moins pour l'instant. Sans leur maître, ces gobelins ne sont pas vraiment différents des mirages sauvages. Ce monde en est rempli, c'est comme vous le savez. Et nous avons notre Gayatri Tree, effectivement. Oh, il rougit. Toutefois, l'armée de Bahamut pourrait tenter de nouveau nous envahir. Si seulement nous pouvions conclure une alliance avec un autre État, nous pourrions nous entraider. Ces derniers temps, la rumeur court qu'il existe une grande coalition qui s'oppose à la Fédération. Pourquoi ne pas leur demander de nous prêter main forte? Je crois qu'il s'agit de la guilde des S. Ok. S. La guilde des S, comment pourrions-nous la contacter? Un marchand affirme que le gouverneur de Saronia au nord est en contact avec eux. Saronia, cette nation qui n'a pas encore rejoint la Fédération. En effet, si votre Altesse y consent, j'irai sur place pour me renseigner sur la guilde des S. Seul, beaucoup de mirages dangereux rôdent sur l'Euroroute menant à Saronia, et je ne voudrais pas. On va l'accompagner, c'est pas grave. Eh bien, si on y allait à sa place. Oui, en plus, monsieur le guerrier et son escadron devraient rester ici pour surveiller les gobelins. Après tout, la place du sauveur de Cornelia est ici, dans son royaume. Nous, on est prêts à aller n'importe où, du moment qu'il y a des mirages à capturer. Ça ferait d'une pierre deux coups. C'est très généreux de votre part, mais je ne sais pas si je peux. Si, comme Lan l'a expliqué, nous voulons capturer des mirages de toute façon. Ça ne me dérange pas du tout. Alors j'accepte votre aide avec gratitude. Je vais vous remettre une lettre qui confirme que vous êtes en mission pour Cornelia. Bonne chance. Ouais, par contre, il y a des messages qui mettent quand même merci. Maintenant que l'on connaît notre prochaine destination, on vous laisse. Elle essaie de faire un peu de respect alors que lui en a rien à foutre. C'est magnifique. Alors, Saronia, qu'est-ce que tu... Il suffit de remonter au nord. Montons dans le train. Ah ben, il faut aller au... Voilà. Veuillez présenter votre titre dans ce transport. Saronia, allons-y. 3, 2, attention au départ. C'est franchement un train qui part sur commande, où moi je dis oui. C'est un taxi en fait le train, c'est... Oh. Ça me fait beaucoup penser à FF12 là tout de suite. Je me souviens d'un endroit dans FF12 en tout cas qui ressemblait beaucoup à ça. La futaie des Furolucioles. On va voir une nouvelle bestiole. Tant de trucs à avoir à graver dans sa mémoire ici à Grimoire. Il va falloir qu'on se ferait un chemin là-dedans. Alors la compétence brûlée. Brûler permet de réduire ensemble la végétation et faire fondre les blocs de glace qui vous font obstacle. De plus, grâce à elle, vous pourrez allumer la mèche de certains mécanismes. Vous pouvez utiliser la compétence brûlée partout où vous voyez l'icône
d'une petite femme, ouais. Si vous examinez ces endroits avec un mirage qui possède la compétence, ce dernier l'utilisera automatiquement. En cas de besoin, nous pourrons retourner nous reposer au coteau des neuf Fresnay grâce à cette porte. Ok, est-ce que j'en ai un qui a... Oui, je pense que Frifrit a cette compétence, mais... j'ai pas pris le bon encore, ça y est. Tu as brûlé, toi, hein? Tu sais brûler. Voilà, tu sais brûler. 8 coups de poing. Augmente la magie. J'aurais tendance à faire ça et ça avec lui. Sachant que, bon, bien sûr, le but, hein, c'est d'arriver soit là, soit... Ah, là, on peut pas encore. Mais sur la métamorphose. Parce que, bon, si on peut l'avoir un peu plus classe, moi, je dis oui. Alors, par là, il n'y a rien. Et ben, allons-y. Qui est venu poser une guerre en pleine jungle, accessoirement, hein, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Hop. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans le coin. Je vais parier sur des mandragores déjà, hein. Ah non, on a des... C'est quoi ce poussifeu de l'enfer? Alors, les petits, je les ai, donc... Je casse la pyramide, mais on va attendre qu'il soit seul, en fait, lui. On va bien choper à un moment où il est seul. J'accélère un peu les combats, hein, ou... Sinon, ça dure 3 heures. Eh, ils sont costauds, hein. Saloperie. Les écureuils pingouins, là, je sais pas trop. Hop. On va attaquer avant. Ah, bon, il rate. Il pourra quand même attaquer. Hop. Bon, celui-là, on en a déjà. Hein, donc, c'est pour ça que je n'ai pas capturé. Ça ne servait à rien. Tac. Herbe de souvenance. Mm-hmm. Je sais pas du tout où je vais. Tant qu'il y a des passages, je prends. Ah bah, il n'y a plus. Une queue de phénix, ok. Nous sommes perdus dans la forêt, mais bon, nous découvrons des bestioles. Non, bah, on découvre pas de bestioles, du coup. Mais ça nous fait pexer. Oh, voilà. Toujours optimiste. Faudrait un petit coup de heal, là. Bon. Allez, on y va, c'est pas grave. C'est pas eux qui vont bien me faire mal. Attendez, que je me souvienne. Soin. Voilà. Défense leur la... Non, tu... Non, d'accord. Oh, c'est bon, on va pouvoir frapper avant lui. Non. Ah! Même le truc de fin, il est un peu accéléré, ça fait bizarre. Ok, par là du coup, on peut monter. Allez, je vais me retrouver au fin fond de la forêt. Je ne sais pas comment on va y arriver, hein, mais y a pas un coffre là. C'est bien pour un coffre. Ah, comment on va traverser ces lianes? On va tout brûler. C'est quoi ce symbole? C'est l'icône brûlée de Dame Enacros. Elle est venue poser des icônes partout. Son icône. Cela indique qu'un mirage possédant la compétence brûlée peut utiliser celle-ci à cet endroit. Ne vous inquiétez pas, si vous n'en avez pas encore trouvé, vous devriez pouvoir en capturer un dans les environs. Oui, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir Ifrit, c'est vrai. On n'est pas du tout obligé d'avoir Ifrit à ce moment-là parce que... Parce que bah, on aurait pu choisir Shiva ou Ramu. Ok, un autre foudre. Tac. Ah, oh, je le veux. Je le veux. Meurs pas, hein. Je t'ai choisi. Non, tu viens avec nous, j'ai dit. Non, tu viens avec nous. Il attaque doublement en plus.
Tu viens avec nous, au pied. Couche panier. Et il veut pas, hein. Je m'en fous, j'insiste. Il me défie. Je m'en fous, j'insisterai jusqu'à ce que je l'ai. Je ne lâcherai pas l'affaire. Ça peut durer longtemps. Bah voilà, on l'a capturé. Non mais, tête de mule. Voilà. Moi je suis contente, j'ai mon bébé, il y a des behemoths. Maintenant il n'y a plus qu'à l'élever, on n'a pas assez de place. On fait comment? J'espère que... Ah oui, les moyens, on va pouvoir virer l'espèce de... Voilà, et en plus il grandit après, hein, et après il grandit encore, tiens. Ses cornes sont déjà très pointues pour son âge. Il contre-attaque férocement lorsqu'on le sous-estime, car il aimerait qu'on le prenne plus au sérieux. C'est dur d'être un bébé behemoth. C'est trop mignon, ce rip. On va lui garder le nom actuel, allez. Voilà, allez, viens avec nous. T'as une place toute réservée. Regarde, on va dégager l'autre. Non, parce que le rocher, en moi perso, le nain, là, il me plaît pas des masses. Ouais. Non, c'est pas l'œil que je voulais dire. L'œil, il me plaît pas non plus, hein, mais bon. L'œil, on mettra le chocobo quand il aura grandi. Ça ressemble à rien, hein. Tout le monde sera d'accord pour dire que ça ne ressemble à rien. Mais voilà, je m'en fous, j'ai mon bébé behemoth. Il y a un truc là, j'ai... Non, c'est juste un recoin, d'accord. Mais tu vas l'ouvrir ce coffre? Ah oui, mais c'est elle que je contrôle. J'étais persuadée de le contrôler, lui, alors forcément, je... Je sais plus comment à quel moment j'ai switché, mais bon. Il y en a plein la forêt! C'est assez dangereux, hein, parce que ça veut dire qu'il y a des gros behemoths aussi, hein. Oh, il est trop chou quand il est... Oh, regardez, quand il a mal, c'est... je vais juste en profiter pour soigner avant, parce que... Ah, mais non, tous les deux sont... Ah non. D'accord. Toi, tu l'as pas, on est d'accord. Toi, tu l'as pas. Voilà. Je suis désolée, mon grand, mais j'en ai un, je peux pas en capturer plus. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il est niveau 2 pour l'instant, bébé motte. Donc, Grimoire est vraiment un monde fascinant. Waouh, comme on est haut, ça ferait quoi si on sautait dans lui? À mon avis, mal. Hein, tu veux essayer? Vas-y. Ne oubliez ça. Alors, lui, on a retenu. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est méchant. Ça, c'est pas beau. Voilà. On va faire comme ça. Hein. On va attendre un petit peu avant d'y aller. C'est quoi ces sphères de lumière? Il y a un petit coffre, non? Même pas. L'arnaque. Je sais tellement pas où je vais. C'est Ah, on a un espèce de poussifeu là. Et on a un mug. Non. Vous me bouffez ça d'abord. Ensuite, l'autre machin alors. Mince. Faut que j'arrête d'appuyer sur entrée. C'est le réflexe d'appuyer sur entrée. Ah bah voilà, ça t'aurait pu le faire plus tôt. Bon, on va abîmer un peu les deux autres. Voir comment on peut... vas-y. On peut le capturer, parfait. Il est pas extrêmement beau, hein. Je suis d'accord. Mais bon, on va faire la collection tant qu'à faire. Non, il est vraiment pas extrêmement beau.
J'ai pas regardé s'il fallait... Non, c'est bon. J'allais dire, j'ai pas regardé s'il fallait que tout le monde soit... Mais bon, à partir du moment où il brille, c'est qu'il est capturable, donc... Alors, et lui... Est-ce qu'on peut... Non. Alors, je sais plus comment on... Il y a une touche, voilà. Condition de capture. Et eh ben, on les connaît pas, ces conditions de capture. Ok, bah pour l'instant, on tape. Voilà. Allez, dégage. Après, peut-être que j'en ai capturé un, donc je pouvais pas capturer celui-là. C'était peut-être une grosse erreur, parce que peut-être qu'il est vachement plus rare. C'est une possibilité. Alors, le bec empoisonné de ce volatile tue parfois son ennemi sur le coup. Il ne vient pas d'un village, c'est... D'un célèbre village irréductible malgré son nom. Pourquoi il s'appelle comment? Cocatrix. Ah, il pense à Astérix. Ouais, d'accord. Ouais, alors la Cocatrix est un peu plus vieux que ça, hein. C'est immense! Un coffre? Pas de coffre. En plus, ils nous arraquent, ils mettent vraiment pas de coffre au bout, quoi. Je crois que je me dirige dans la bonne direction, mais c'est pas gagné. Oh, c'est quoi ces petites hydres toutes choues? Je suis en train de craquer sur la moitié de la faune. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Dégage celui-là parce que de toute façon il va nous énerver. Et toi tu vas soigner un coup parce que c'est pas la joie chez l'âne. Voilà. Ouf, putain, ça fait mal. Oh, on va se calmer hein, les gens. Doucement. Ne martyrise pas mes persos, merci. On va continuer à défoncer celui-là en espérant qu'il ne survive pas à ce tour-là. Non, il a juste été abîmé. Oh mon sang, et l'autre, il les île. Voilà, ça c'est fait. Ok. C'est elle, et bah tu vas juste en attaquer. Ah bon, bon, on a tué le Mog sur le coup, très bien. Toi, un petit sort de heal sur ta sœur. C'est bien comme il saute le petit bémote quand on fait le truc. Et lui, il est capturable. Allez hop. On va avoir une petite hydre. Je suis en train de faire une collection. Je sais pas ce que je vais en foutre. Je sais pas ce que je vais en foutre de tout ça. Hop, allez, un plus. On dirait la tête d'un Loclas. Bon, j'ai une collection de mirages qui est en train de s'augmenter à une vitesse grand V. Heureusement que j'en ai enlevé hein, tout à l'heure parce que... Ce double lézard au creux venimeux qui a deux têtes, un corps et deux personnalités, à moins que ce soit des frères de lézard siamois, tout simplement. Hein? Par contre, il peut évoluer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, ouais, c'est ça. Il est terrifiant, hein, nous sommes d'accord. Bon, est-ce qu'on arrive au point... Je sais pas du tout, hein. Attendez, je suis partie du mauvais côté, là, je sais, mais j'espère trouver un coffre, on sait jamais. Ah, regardez, de temps en temps, ils nous font plaisir. Vous n'avez pas fait toute cette route pour rien, bravo. Hop. Ok, on refait le même combat, mais là on a rien à capturer, donc on se tape juste, et entre temps on a pexé. Oui, parce qu'entre temps, ce que vous voyez peut-être pas, c'est que le Behemoth, il monte très très vite. Hein. Il est passé de niveau 1 à 5, là déjà, sur un combat. Donc, plus ça va, plus il va faire de dégâts. Alors, on peut peut-être essayer de capturer le Mog, du coup. Non, bah non, on peut pas. Le Mog ne se capture pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, voir si c'était le fait qu'on avait déjà un Mog, enfin un capturé.
Est-ce que là, il devient capturable? Ah. Ouais, alors par contre, ça va commencer à faire mal, là, en fait. Soigne ta sœur, toi. On va éviter la cata. Et toi, tu tapes la... Voilà. Ça n'est pas le mob capturable. Hein. Ouais, bon, bah, tant pis. On peut pas l'avoir pour l'instant. Voilà, Behemoth est monté niveau 6. Ouais, bébé Behemoth, je sais, je dis Behemoth, mais bon, c'est un... Voilà, faut le respecter, on a dit. Il veut être respecté, alors respectons-le. Ouais. Voilà. Et tu m'emmènes là aussi, voilà, on leur donne la vie un peu à tout le monde, ça va faire du bien. Là, j'essaie d'avancer, d'aller sur le point. Réré, je suis complètement claqué. Ce plainte ne fait qu'empirer les choses. Je vois ce que tu veux dire, mais je vois ce que tu veux dire, ça grimpe beaucoup par ici. Ce serait sympa si nos mirages pouvaient nous transporter, hein. Bah, plus tard, on peut toujours rêver. Bah écoutez, il y a un point de sauvegarde. Ah, attendez. Ah, j'ai pas vu. Vous pouvez vous promener sur le dos des mirages qui possèdent la compétence. Ah, sérieux? Je veux! Mais on n'a pas encore. Ils peuvent se promener sur le dos des mirages qui possèdent la compétence monture. Ça facilite le déplacement même dans les donjons. Appuyez sur T pour activer cette compétence. Si plusieurs mirages de votre équipe la possèdent, vous pouvez passer de l'un à l'autre en appuyant à nouveau sur T. Appuyez sur G pour la désactiver. Oui, mais j'en ai rêvé aucun pour l'instant qui peut. Donc c'est la tristesse et pour l'instant, on use les pieds. Et bah écoutez, je vais profiter de la sauvegarde pour abandonner ici pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à toutes.